Antoine et Morgane de Belle Plaine et on vous parle depuis l'éloge de la Bouloire. Belle Plaine, c'est un groupe de pop folk mélodique, solaire, aussi plein de fougue. Photo souvenir de William Scheller. Ah super. Photo souvenir, on en a eu plein. Ouais, je connais pas du tout la chanson, mais par contre photo souvenir, ça évoque complètement, on va dire le propos des paroles de Belle Plaine, parce que Belle Plaine, ça parle essentiellement de voyages, d'aventures et surtout de gens qu'on a rencontrés qui nous ont marqués. Qu'est-ce que c'est, ça, pour moi, ça évoque des choses similaires, c'est-à-dire que nos chansons. Il faut savoir que tous nos morceaux parlent, on va dire, que de choses qui nous sont vraiment arrivées. Donc si vous lisez les paroles de notre album, vous allez à peu près tout savoir sur nous. Sur nos voyages et sur notre vie depuis la création du groupe. Et même dans le musée de ma vie, on pourrait presque rajouter toutes les compos. Tous les jours, on compose plein de chansons. Et en fait, on sait exactement, on en a des centaines maintenant, et on sait exactement à quoi elles correspondent. Voilà, ça peut être le musée de notre vie. J'ai vu de Niagara, ça, c'est OSS 117 quoi. Moi ça me rappelle ça. Ouais, obligé, ça me fait penser à OSS 117. OSS 117 c'est le film qu'on a regardé mais tout le temps, quand on enregistrait notre premier EP à l'époque dans une ferme. Quand on était en autoproduction à l'époque. Exactement, ouais. Et on va dire que le film qui a rythmé tout ce premier enregistrement c'était OSS 117. On a dû le regarder je crois tous les soirs et en fait à la fin on connaissait tous les dialogues par cœur, c'était juste génial. Alors, souvenir. On en a des très frais. Ouais, on est parti dans le désert de l'Arizona, tourner notre dernier clip. C'était il y a seulement 3 semaines, quoi. Exactement, sur le titre Summer Ends, c'était incroyable. Ouais, on a eu la chance de se retrouver du jour au lendemain à conduire un combi des années 60 au milieu des cactus et des coyotes, c'était incroyable. Donc ça, c'est le premier, je pense, qui me revient en tête, si tu nous dis le mot souvenir. Alors on a un EP qui vient de sortir, c'est tout frais, il est sorti en juin. Un EP 4 titres, où on peut retrouver les titres Summer Ends, Lifeboat, Dead White Tree et Molly Hawk. Et ce soir on va le jouer, enfin on va jouer un teaser de l'album et cet EP-là à la Boule Noire. Et ouais, car c'est vrai qu'avec Belle Plaine, dès le début ce qu'on a voulu faire c'est vraiment faire un travail sur les voix et la mélodie. Et faire un groupe dans lequel on chanterait en harmonie, on se passerait le relais ou même à l'unisson. Mais vraiment basé sur la voix. Ah bah, l'avenir, c'est l'album. On vient juste de sortir notre EP Lifeboat. Et on a notre album qui sortira fin janvier 2017. Bien sûr, ça va s'accompagner de plein de dates. On va venir jouer ça en France. On verra, on espère les festivals. Donc l'avenir, c'est ça aussi, c'est de la scène. Suis les flots, charme les vagues pour embrasser la mer à bord du Lifeboat. Les dérives sont lumière, elles portent le souffle d'un désir oublié. Je m'en irai sans pleurs into the ocean.